On the first page of our story, the future seemed so そんな。にしし、どうだ。苦労したぜ、ここまで操るのは。ということでしょう。当初優勝候補だと思われていたナルト選手が謎の挑戦者相手にボロボロです。会場が静まり返ってますね。戸惑っているのでしょう。突然現れたおかしな輩が会場全体から不満や非難を受けたにもかかわらず善戦したのですから、正直予想外のことに驚きとそして関心を示しているのです。なるほど。だが、まだ負けていない。まだ来るか。何度でもやってやるってばよ。俺はみんなから認められた存在だ。そんな俺が負けるわけには。みんな、それってば今でも言えるか。何？シャンナラー頑張れ。なる、メカナルト。メカナルト、僕は応援してるぞ。頑張ってメカナルト君。行け、ナルトなんてぶっ倒しちゃいなさい。へへ、お前の応援だけじゃなくなったな。そんな、俺は渦巻きナルトだぞ。みんなから認められていたはずだ。どんなに苦しい状況でも努力すれば道は開く。このまま俺が勝てばお前への歓声は俺にもっと傾くかもな。さあ続きをやろうぜ。体が言うことは、このままでは。そうか、まだあの手が残ってるじゃないか。うん、精神入れ替え。おっと、これは一体な、何が起こったのでしょう。わかりません。特に両者の間に変化は見当たりませんが。お、これでよし。ほわ、戻った、戻ったってばよ。いてててて。どうやら戻れたようだな。よかった。やっぱ自分の体が最高だな。うん、体中痛いけど。喜ぶのはまだ早いぞ。お前の体はボロボロだ。形勢は逆転だ。へえ、それはどうかな。えらず口を。おっと、一方的な攻撃です。勝負を決めに来ましたね。これは圧倒的。ナルト選手、ここまでか。勝負ありだな。勝手に決めつけんじゃねえ。なんとまだ立ち上がります、ナルト選手。すごいですね。彼の持つ諦めないど根性ってやつでしょう。まだまだ俺は負けねえぜ。よっしゃ、やっちゃえナルト。いいぞ、まだいけるぞ。やっちゃいなさい。頑張れナルト君。そんな、また会場か。まだわからねえか。人を動かすのは体じゃねえんだよ。人を動かすのはな、ここなんだよ。くそ。さあ決着つけるぞ、メカナルト。Bon, j'imagine qu'on va lancer un combat avec un PV. Ah non, on a une barre de vie en moins. Un PV, ça aurait été vraiment méchant, mais je crois qu'ils l'ont déjà fait.
Il y avait un défi comme ça, je crois. Bon, bah, je pense qu'on va vraiment terminer sur ça, hein. On est à combien de vidéos? Oh, on a 38 minutes. De toute façon, là, on peut pas sauvegarder, donc on va vraiment continuer jusqu'à ce qu'on ait une opportunité, hein. On va voir ça. Gagner le combat. Ça, c'est pas une condition trop complexe. Et en avant. Là, on lui laisse absolument aucune chance. Je crois que le moustique m'a eu. Il a gagné sur moi parce qu'il vient de me faire une jolie piqûre. Tant pis, hein. Ça sera pour une prochaine fois. De toute façon, pour ceux qui ne savent pas, quand les moustiques vous piquent, ils ont une phase de digestion. Et généralement, pour digérer, ils vont se poser sur les murs. Et là, vous pouvez vous venger comme des sales putes. Bon, par contre, vu qu'ils vous ont déjà bouffé, bah, il y aura plein de sang sur votre mur. Après, il faut peser le pour et le contre, quoi. Soit vous niquez votre mur, soit vous vengez, hein. Moi, j'ai toujours fait le choix de la vengeance, donc, donc mes murs sont pas très beaux à regarder, mais au moins je me suis vengé, quoi. Moi, je suis content. En plus, ça évite que ces connasses pondent leurs larves. Parce qu'une fois qu'elles vous ont piqué du sang, c'est la première chose qu'elles vont faire. Et là, du coup, bah voilà, vous réduisez le nombre de l'espèce. Même si c'est pas vraiment significatif. Ah, bon, je voulais terminer sur une TS, parce qu'en plus, je crois que... Ah si, si, je la connais, celle-là. C'est son Rasen Shuriken avec... avec les orbes bijoux, là. C'est un mec qui me la laisse faire un jour. Bon, bah tant pis, on va le tuer, hein. Fun shop. Non, faire un coup, alors. Ça fait une fin de merde. Oula, quel est ce chargement? Shoubu ari! Yūshō wa Uzumaki Naruto! Yatta ze! Du, ore ga maketa no ka? Omae wa aseri sugi nan datte ba yo. Omae wa zekkyō ka? お前の説教など来たんぞ。そう言うなって。ちょっとだけ話を聞いてくれよ。うん。勝手にしろ。どうせ今は動けない。あのさ、俺、お前の体になって初めてお前の気持ちが分かったんだ。誰からも認めてもらえない。 すげえ寂しい状況をさ、昔の俺も同じような目で見られてたし。でもだからってお前のやり方は間違ってたんだ。俺の体と変わってもそれは解決にはならねえ。結局自分の体で自分の心でみんなに分かってもらえないと自分から逃げることになるからな。俺は 早くみんなに認めてほしかったんだ。だからそれが間違いなんだ。みんなに認められるってのはとにかく一生懸命努力して少しずつ少しずつ分かってもらえるもんだ。俺もずっと頑張ってやっとここまで みんなに認めてもらえるようになった。お前も俺と同じだったのか。大変だった。でも逃げなくてよかったと俺は思ってる。俺は失敗した。だからもう 一度の失敗じゃねえか。それくらい小さいってばよ。俺とか今まで何度も失敗して何度も怒られた。じゃあ俺もやり直せるか。当たり前だろ。つうか俺の名前を真似てんだからそんなことで諦めてもらっちゃ困るってばよ。うっくん、お前が俺の名前を真似たんだ。この野郎、まだ嫌がんのか。
譲る気はないぞ。上等だ。ちゃんとお前の記憶が戻ったらその件はっきりするかもしんねえな。楽しみだぜ。え、お前まさか。さてと、そろそろ表彰式かな。割れんばかりの歓声がここ決勝舞台に響き渡っています。歴史に残る素晴らしい戦いでした。これならば最強を名乗ってもおかしくはないでしょう。しかし決勝ではまさかの展開が起こりました。突然の選手交代には会場全体が動揺し、歓声は一方的になりました。ですがどちらも予想外に前線する様子を見て、観客の皆様もそして私たちも声を失い、歴史に残る素晴らしい戦いが繰り広げられました。結果勝者は渦巻ナルト選手に決まり、その大歓声を一身に浴びています。個人的には対戦相手も称賛したいですね。彼がいなければここまでの感動は生まれなかったでしょう。確かにそうですね。それではメカナルト選手に健闘を称える拍手をお願いします。そしてその激戦で勝利をつかんだ忍界最強の渦巻ナルト選手へ改めておめでとうございます。Et voilà, donc on est le champion de tous les ninjas du monde. Donc on reçoit 5000 Ryo. Donc est-ce que ça va se terminer sur ça? Je pense pas. そして決勝戦と長きにわたる戦いの中、いくつものドラマが生まれました。これまで解説を行ってくださった四角さん、そうですね、優勝者は突然の展開にもしっかり順応し勝利しました。なるほど、どうもありがとうございました。この忍界舞踏祭は最強を決めるために始まった大会です。そのために各里が協力し、ここまで大きなイベントとなりました。この大会を通し忍界全土が一つになれることを皆さんも強く感じることができたのではないでしょうか。今後こうした大会が2回目3回目と続き、各国に住まう人々の絆がさらに強固になるといいですね。はい、協力、策謀、激闘、そして勝利、戦いの醍醐味を詰め合わせたこの大会、いかがだったでしょうか。忍界最強は決まりましたが、これは始まりに過ぎません。きっと再びどこかの地で新たな舞踏祭が行われ、またそこで今までにない歴史が生まれることでしょう。その時にまたこうしてお会いできれば光栄です。そうですね。四角さん、本日まで解説ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの解説は奈良四角、そして実況は私静音とまぶいでお伝えしました。ありがとうございました。忍界舞踏祭これにて終幕です。これまでお付き合いいただき本当にお疲れ様でした。それでは皆様また会う日まで、さようなら。Donc le combat est gagné, super, 5000 Ryo. Et voilà, avec un rang C, d'accord. Bon bah, on va voir ce que ça va donner de remettre la pierre mémoire, la pierre mentale qui manquait à Mecha Naruto. Va-t-il devenir méchant? Est-ce que le professeur va avoir une séance d'histoire? Parce que Mecha Naruto a été créé par un professeur. Et moi, j'avais dans l'espoir, j'avais aussi dans l'optique, de voir le professeur en personnage jouable. Franchement, ça aurait été génial, ça aurait été vraiment le personnage que j'aurais attendu personnellement. C'est le professeur. Voir à quoi il ressemble, voir des techniques de combat d'un professeur, quoi, ça aurait été énorme.
日向さん、騙しててすみませんでした。うん、いいよ。こうしてちゃんと元通りになったんだし。う、やはり優しいですね。僕は感動で涙が。そういう話はまた今度やるってばよ。む。まずはこれ、返しとくぞ。おお、大事な人形。そんで、あとはこれな。む、しかし、いいのか、本当に。せっかくお前が優勝したのに。俺ってば、もともと副将に興味はなかったし。それより、記憶がなかったらいろいろ不便だろ。だからまあ、それくらいくれてやるよ。ナルト。よかったね、メカナルトくん。はい、嬉しいです、とても。それでは、早速。おこれはどうだ何かいろいろと思い出してきたぞ。ようやく戻ってこられたな。新章石確認、メモリ回復 100%、 キュービモード起動。おい、大丈夫か？感謝するぞ、貴様ら。なんだってばよ、お前は。俺様か。俺様はメカナルトが持つもう一つの人格、キュービモードだ。キュービモード？そう、俺様は軟弱なノーマルモードとは違う。この世を破壊するために作られた最強の存在。気をつけろよみんな、こいつさっきまでとはまるで違う。久しぶりだ、こうして表に出たのは。貴様らのおかげでようやく戻ってこられたぞ、ノーマルモードのやつ。まさか俺様を記憶ごと封じるとは、いまいましい。封じたって？おい、お前。だがこれで俺様は自由だ。さあ、破壊を始めようか。人界全土を破壊し尽くしてやる。メカナルト君。あいつ。雲隠れの里、負傷者125名。岩隠れについては負傷者こそ少数ですが、建造物に被害が出ているそうです。その他各地で暴れている姿が見られ、住人から救援要請が出ています。やられたな。もう少し調べが早ければ対策が取れたってな。しかしさすがは破壊兵器といったところか。少ない時間でここまで被害を出しやがると。何か掴んだんですか、師匠？メカナルト、姿形が妙だったんでな、裏で暗部に素性を調べさせていた。で、あのメカナルトの正体は？さっきも言ったろ、やつは人界を我が物にしようと企むある人物に作られた破壊兵器だ。そしてナルト、お前に似ている理由もここに関係がある。どうい
うことだよ。メカナルトはお前をモチーフに作られたものなんだ。うちに秘めるってクラマのことか。だから名前も姿もナルト君に似てたんだね。ノーマルモードとキュービモードを秘めるメカナルト、その開発は完成寸前まで進んでいた。ノーマルモードってのが今までナルトたちと行動を共にしてたあいつだったのね。ノーマルモードは知識を得るために作られたモード、かたやキュービモードは破壊のみを司るモード、その2つをもって完璧な破壊行動を行うはずだったが、どちらの我も強烈に強すぎた。開発者の思惑と異なってな。結果テスト起動の際にキュービモードが暴走、周囲を破壊しただけにとどまらず開発者すら殺めてしまったらしい。けどあいつは最初埋まってたってばよ。それに新小石だって半分になってて。多分だけど、それってメカナルト君自身がやったんじゃないかな。あいつが？確かにあいつ言ってたわね。ノーマルモードのやつ、まさか俺の記憶を封じるとはって。うん、それにどう考えても私たちが知ってるメカナルト君は悪いことをやるような性格じゃない。だから悪いことをやるキュービモードが許せなくて自分で新小石を割った。そして石をどこかの地に埋め、その後で自らも眠りについたってわけか。うん、なんだよ、だったらあいつは悪くねえじゃねえか。悪いのはキュービモードだけだ。だが人界は黙ってはいられない。被害が出ている以上奴を止めなければならない。すでに五大国はメカナルトを破壊するため各忍びたちを出動させている。この葉隠れも例外なくな。俺はそんなのやらせねえ。俺はやっとあいつと分かり合えたんだ。あいつはこれから俺たちと一緒にいろんなことを経験するはずだったんだ。それなのにキュービモードの勝手なせいで破壊されるだと。そんなこと俺は絶対させねえぞ。ナルト君、あいつがどれほど吠えようとどうにもならん。師匠、voilà, donc on se retrouve. Il y a eu un petit no-signal pendant la cinématique. J'espère que ça vous a pas trop gêné, mais du coup, voilà, j'ai dû couper un petit peu la vidéo. Allez, en avant. Ah, je sais pas ce qu'on doit faire. On va sûrement rusher pour sauver le mecha Naruto, qui est devenu notre ami, forcément. Alors j'en ai profité pour faire une petite pause goûter, on va dire. Goûter à 14h15, parce qu'en fait, j'ai pas trop bouffé. Ah non, yo. Tu as entendu? Naruto refuse qu'on détruise Mecha Naruto et il est parti tout seul. Il faut le trouver et le capturer, hein. Oui, j'ai entendu. Quoi? C'était quoi cette phrase? Tous les autres ninjas ont probablement reçu le message aussi. C'est un vrai problème. Je vois mal comment on pourrait le capturer. D'un autre côté, on ne peut pas refuser d'obéir aux ordres. Ah, continuons. T'as les mecs qui vont essayer de m'arrêter, vous avez aucune chance contre le meilleur ninja. Alors je suppose que tout le monde est mon ennemi. Il faut d'abord que je quitte Konoha. Ok, on va passer en mode ninja déserteur. C'est parti. Bon bah ils ont pas l'air plus choqués de me voir. Je passe à côté de ninja et tout. Même pas ils essaient de m'arrêter. Tout va bien. Il y a une nouvelle hip-hop. Toutes les petites filles là dans ce putain de jeu...
C'est des futures twerkeuses professionnelles, comment elles bougent. Naruto. Ils ont trouvé Mecha Naruto. Vraiment? Il a fait le tour du monde et il se dirige maintenant vers l'île du festival. Comme par hasard. Cette île, encore une fois. Bon. Attends, je viens avec toi. Tu es sûr? Oui, je pense la même chose que toi, Naruto. Très bien. Alors allons-y, Hinata, dépêchons-nous d'aller le sauver. Oui. Et donc? Il fallait que j'appuie sur une touche, d'accord. On a réussi à venir jusqu'ici. On n'a plus qu'à le trouver. Mais attention, il y a d'autres ninjas par ici. Et s'ils nous trouvent, je sais. Si c'est le cas, nous passerons en force si c'est nécessaire. Nous sauverons notre ami. Bon, déjà, il y a du feu là-bas. Il y a de la fumée là-bas, je ferais mieux d'aller voir ça. Allez, en avant. Youh. Oh, salut les ninjas. Bah, vous avez pas... avoir l'occasion de me bloquer, effectivement. C'est un peu dans la merde. Oh, on est tous blessés, on est des caca. On dirait que je ne peux pas aller plus loin. Genre, le mec, c'est un ninja, rien que Soso, il dépasse le truc. Oh, je ne peux pas aller plus loin. Il y a deux rochers qui font moins que ma taille. Je ne suis absolument pas un ninja. Ce n'est pas de là que vient à fumer, je dois vite retrouver Mecha Naruto. C'est une blague. Est-ce que c'est une blague? Oh putain, on se fout de ma gueule, là. N'importe quoi, putain. Oh là là, à la limite vous aurez mis un rocher énorme. Déjà ça aurait eu aucun sens parce que Naruto il a du chakra sous les pieds, il grimpe où il veut. Et même ces rochers, moi je les passe. Alors vous auriez mieux fait de mettre un gros rocher. Ça serait passé pas bien mais au moins déjà mieux quoi. Attends. Tu ne passeras pas. Naruto, Uzumaki, on m'a tout raconté à ton sujet. On ne peut pas te laisser continuer, tu vas rester bien sale jusqu'à ce que tout se soit arrangé. Sûrement pas, je vais forcer le passage. Mecha Naruto est mon ami. Et mes amis, je les conserve près de moi. Putain, n'empêche, il s'est passé exactement ce que j'ai dit, que c'était pas trop prévisible, ça que Mecha Naruto devienne méchant quand on lui rend sa mémoire. Enfin bref. On n'était pas là non plus pour voir le plus gros scénario de tous les temps. Faut avouer, voilà. Je suis Darui. Bonjour. Putain, Darui, il est vraiment ultra stylé, c'est un putain de perso. Je l'adore. Allez, en avant. Wasabi à trois têtes. Oh putain, mais il est en mode soutien auto, ce salaud. Oh non. Ah ouais, d'accord, mais c'est parti. Et le mec, il va me péter la gueule. En plus, il fait un... mais... putain, c'est chiant, le soutien auto. Il a les renvois, il est défensif, tout va bien dans ce monde. En plus, il a pas un soutien dégueulasse. Hop, hop. La gaze. Oh putain, mais je peux pas faire ce que je veux, c'est pas possible. D'accord, toujours le soutien défensif, il est là. He's air. C'est possible? Pas du tout. Ce n'est pas possible finalement. Allez, 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 on tabasse, on tabasse. On va laisser Hinata ici. Ah mais j'ai eu peur, je me suis dit putain, il a esquivé. Non, il dit oh non, je suis trop méchant avec Julien, donc on va se prendre le truc. Ah, il était stun. Il était stun visiblement. Voilà, hop. Ah bah super, t'as plus ton soutien maintenant, espèce de fils de pute. Et bim! Oogie cancel! Ça va, TS Dragon Ball Z? Allez! Non, non, mais Hinata, elle va te calmer déjà, tu vois. Parce que tu me fais chier un peu d'Arui. Et voilà, c'est réglé. Allez, super, on continue. Donc le combat est gagné, 3000 Rio, c'est super. Super, super, super. On va continuer. Encore combien? Encore 15 minutes normalement. Donc finalement j'aurais filmé en une fois deux épisodes hein, parce que les cinématiques ont duré vraiment très 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 longtemps. Elles ont duré au moins 20 minutes. D'ailleurs je pense que si on passe toutes les cinématiques, le jeu doit se finir en... allez, une demi-heure maximum, hein. Vraiment. Vous prenez le truc du monde des ninjas, on a fait quoi depuis le début? Je crois on a fait 4 combats, un truc dans le genre. Et putain, on est à je sais pas combien d'épisodes.
Quelle force! Désolé, mais je ne peux pas m'arrêter. Allez, ciao les bolos. Bon, ils sont tous à terre. Bon, on va sûrement se battre contre Mecha Naruto à l'endroit où on l'a trouvé. Oh putain! Mais vous êtes pas censé vous battre contre Mecha Naruto? Pourquoi ils envoient les Kage pour m'arrêter, sérieusement? Ils sont vraiment complètement cons, eux. Moi, j'ai une solution pour sauver Mecha Naruto. Et eux? Bon, je me dis encore, ils envoient les subalternes pour essayer de m'arrêter. Mais envoyer les Kage au lieu de les faire combattre contre Mecha Naruto, enfin, faut pas me prendre pour un con non plus, quoi. Te connaissant, je savais que tu viendrais. Papi Tsuchikage, vous voulez m'arrêter, vous aussi? On ne peut y couper. En tant que Kage, notre devoir est de protéger la population. Et pour ça, nous nous battrons même contre toi, Naruto. Bah, mon devoir, c'est de l'aider. Et j'affronterai tous ceux qui voudront m'en empêcher. Oui! Bah, en avant. Lancez le combat, je suis prêt. Non, mais sérieusement, quoi. Ils envoient les Kage. Au lieu d'essayer de tuer Mecha Naruto avec, ils les envoient sur la gueule, quoi. Alors que putain, ils auraient pu me laisser essayer de sauver Mecha Naruto. J'échoue, c'est pas grave, après je suis KO et il le tue. Mais non, les ninjas, ils sont reconnus pour être complètement cons. Voilà, donc bah, ça marche comme ça, visiblement. Putain, si on se fait les 5 Kage, vraiment je pète un câble. Allez, gagnez le combat, c'est parti. Allez, Hinata, en avant. Je sens après, il va y avoir la team Raikage et... Il y a qui déjà? Raikage et Gaara, et après il y aura sûrement Tsunade solo, un truc dans le genre. Ah, s'ils veulent vraiment nous mettre les Kage, par contre, voilà. Même l'ordi, il essaye de spammer les comptes. Maintenant, je me fais plus avoir par les comptes. Laisse tomber. Là. Je sais très bien. Avant, la technique qui marchait tout le temps, c'est dès que le mec permettait de dasher instantanément pour le reprendre dans le combo. Non, il faut jamais faire ça parce que les mecs, ils vont essayer de vous placer un contre. Donc, laissez-le mettre le contre. Et après, vous dashez. Comme ça, en fait, vous le niquez. Hein. Et en plus, il nique son chakra. Donc, c'est mieux, en fait. J'utilisais vraiment le contre, même chez l'adversaire à son avantage. Et putain, qu'il y avait un moustique qui essayait encore de me piquer. Je pense vraiment en avoir marre de ces moustiques. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je n'ouvre jamais la fenêtre de chez moi exprès en été pour pas que les moustiques rentrent. Et ils sont toujours là parce que voilà, il y a ma famille qui eux arrivent pas à s'empêcher d'ouvrir les fenêtres. Et qui sait qui se fait bouffer? Et ben c'est Biggie. Voilà, j'adore. J'adore le concept. C'est très intelligent. Biggie cancel. Hop hop, ça ne marche pas du tout, c'est pas grave. Allez, on te tabasse. Oh putain, mais la chope de Onoki, elle est vraiment chiante. L'ordi, il sait ce qui est chiant, vraiment. Allez hop, la chope moi aussi. Et peut-être que tu décèdes, au pire, de toute façon tu meurs pas, je te fais ça. Ah bah non, bah il est mort, ok. Il est mort, il est mort. T'as dit tout le temps la même chose, allez, ferme ta gueule Naruto. On continue vite, voilà, gagne le combat, 4000 Ryu encore, c'est cool. Rang S, c'est parti. Le guide du vainqueur 22, maîtriser l'éveil et l'éveil total, sans déconner. Allez, s'il vous plaît. Je suis un petit peu pressé, moi j'ai pas le temps, j'ai un Mecha Naruto à sauver, t'as vu, j'ai vraiment un planning chargé, je suis overbooké comme on dit. Allez, en avant, please. Allez, 97%, tu peux le faire, j'ai confiance en toi. Bon, bah il a du mal à... Ah, 98, oulala, et 100%, super. Oh mon dos! Ah, alors c'est ça! La puissance de Naruto Uzumaki! Parfait, je dois continuer. Alors en avant. Oh! Des blessés, il y en a partout! Allez, on va arriver face à. À Mecha Naruto, j'espère. Ce n'est pas de là que vient la fumée, je dois vite retrouver Mecha Naruto. Oh putain, c'est une blague! Donc il faut partir vers là. Voilà, hop. Ah, il y a des œufs. Je fais comment pour les choper? Attends, merde. Et je peux pas les choper. Oh putain, je suis vraiment curieux de ce truc. Attendez, il faut passer par la grotte? Non, bon, il faut passer par là-bas alors. Plus un geste. Oh, pourquoi fais-tu ça? Ce monstre menace notre monde. Ce n'est pas le vrai Mecha Naruto, je dois le sauver. Balivert. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons te permettre de continuer. Prépare-toi. Putain, on va vraiment se taper tout le monde, c'est n'importe quoi.
En fait, c'est vraiment la phase la plus longue du jeu parce qu'ils se sont dit on va balancer tous les mecs les plus forts du monde. Sauf pas sur Mecha Naruto, non. Hein, parce que Mecha Naruto, je pense que c'est une bonne idée de laisser détruire des villages. On va essayer d'arrêter plutôt Naruto, tu vois, le mec gentil qui a une bonne idée pour sauver le monde. C'est super, franchement, j'adore. Alors, vous avez vu, maintenant, il s'appelle plus... Il s'appelle plus le... Comment on dit déjà ? Raikage, je crois. C'est Raikage, hein. Oh, ouais. Ils disent plus Raikage, maintenant, il s'appelle clairement A. Voilà. Il s'appelle A. C'est son vrai prénom, hein. Mais bon. Ah, ouais. Allez, Hinata, défonce-le. On va lui apprendre un petit peu. C'est quoi le pouvoir de l'amitié, nous ? Allez, on va le défoncer. On va vite lui mettre des combos. J'ai pas le temps à perdre. Voilà, on fait des combos infinis. Tu permets quand tu veux. Non, tu permets pas. Ah, merde ! Ah non, mais je voulais faire encore un combo infini, là. C'est pas grave, on continue. Allez, Hinata. Oh ! Oh, merde ! Donc, le Ring Out ne tue plus, maintenant. Bah, en même temps, on peut plus éviter les Ring Out grâce à ses soutiens. Donc, bah, ça me paraît un peu normal, hein. J'aurais eu peur, moi aussi, de me dire, en multi, le mec, il fait un Ring Out comme ça, t'as aucun moyen pour revenir. C'est vrai que ça aurait été moche. Et voilà, c'est fini. Allez, on rush. Allez, ta mère, Naruto. Allez, c'est parti. Gagner le combat, super. J'espère vraiment qu'on aura débloqué tous les personnages à la fin du... à la fin de l'histoire de Mecha Naruto, au moins, un minimum. Parce que putain, il y a vraiment des persos que j'ai très envie de les jouer. Depuis tout à l'heure, je les ai pas. J'ai envie de ce putain de Mizukage et d'Omizukage, là, je le veux. Je veux ce putain de Mexwag. Mais non. Ils me font pas débloquer de perso. D'ailleurs, je crois que j'ai pas débloqué un seul perso depuis l'aventure Mecha Naruto. Hein. Je crois que j'en ai aucun. Putain, je suis dégoûté. Bon, à la fin, on va forcément débloquer Mecha Naruto, ça me paraît logique.